naviguer, il faut un bon bateau. Avec un équipage qui sont parfaitement chauds, des gars qui n'ont pas peur et qui serrent les dents. Lorsque la mer est dure et que souffle le vent, dans le bas de régate, au bord de Saint-Malo, on fait le plan de course suivant la météo, suivant le courant et suivant la marée, et on envoie la toile suivant le temps qu'il fait. Ce soir, il n'y aura pas de vainqueur de vaincu, on verra du champagne, de la bière du cuit. Envoyer au grand large sous le spé, on se met à surfer sur le dos des vagues entre le ciel et l'eau. On se prend pour des cow-boys un jour de... Bon, il faut se placer à la fin du 19e siècle, en 1895. Il y avait à l'époque deux familles qui dominaient le Port-Dieu de Nantes, pardon, la famille Dubigeon, qui était une famille qui exploitait un chantier naval, et puis la famille Crouan, qui était une famille d'armateurs. Et la famille Crouan faisait souvent construire ses bateaux par les ateliers Dubigeon. Et les Crouan avaient un grand client qui était les chocolats Meunier, et il fallait chercher des fèves de cacao loin en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Pour bien naviguer, et le bateau va faire 33 expéditions à partir de son lancement le 10 juin 1896. Nous sommes aujourd'hui la date du 117e anniversaire du bateau, et à midi aujourd'hui, tous les bateaux de l'Armada vont corner à midi juste pendant une minute, et les églises de Rouen vont enchaîner la grande volée pour honorer le Belém. Donc c'est un grand jour pour nous. En 2016, ce seront les 120 ans du Belém, et j'espère que nous irons au Brésil. Et nous avons un administrateur qui est également d'origine rouennaise, qui est Antoine Pouillotte, qui est membre correspondant de l'Académie, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a fait une brillante conférence il y a quelques mois. Il a été ambassadeur de France au Brésil, et nous l'avons nommé administrateur de la Fondation Belém au titre des personnalités qualifiées. Il était là hier parmi nous, et il va tout faire pour nous permettre d'emmener le bateau à Rio. Si on passe au nord, le bateau qui est devant, on met un bras d'honneur à ceux qui sont dedans. Quand le sang revenait à corsaire.